Yé, pas tout le monde! Bienvenue, bienvenue! Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de m'intéresser en fait à des thèmes autour de la vie, des sciences intégrées et également de l'économie, et pour répondre à une problématique. Est-ce que l'innovation, je dis bien en conditionnel, va pouvoir offrir l'opportunité en fait de rétablir l'homéostasie sociale? Voilà, en absorbant quoi? Les risques liés à la crise systémique. Donc je vous invite à aller voir mes autres casts en fait sur qu'est-ce qu'on appelle l'homéostasie et comment est-ce qu'on peut transposer l'homéostasie qui est à l'origine une science de l'équilibre de notre corps en fait. Hein. C'est la science qui maintient nos paramètres internes toujours à même valeur, voilà, malgré des perturbations extérieures. Bah, dans notre système social, je dirais que c'est la même chose. On a des points d'équilibre à restaurer, on doit procéder par rétro-contrôle, on va dire positif ou négatif, c'est-à-dire qu'on doit impulser des actions ou ralentir d'autres actions. Pourquoi, dans quel objectif, maintenir cet équilibre social? Voilà. Et donc l'objet de ma présentation, c'est de vous expliciter comment, à mon sens, je verrais donc sous forme conditionnelle, potentielle, la possibilité qu'offre l'innovation au travers justement l'opportunité d'absorber les conséquences liées au risque systémique, voilà, de la répercussion de toutes ces crises, puisqu'on a des effets de ces crises en domino qui emmènent beaucoup de problématiques. Donc en quoi l'innovation va pouvoir aider? En fait, l'innovation, pour moi, c'est un levier. Voilà, l'innovation, l'intelligence artificielle et autres, ce sont des leviers, car aujourd'hui, on est en train de connaître en fait de grandes phases exponentielles de changement. Donc, je pense qu'il convient d'être proactif et d'anticiper toutes ces phases de changement pour mieux identifier les leviers justement apportés par l'innovation pour en faire des opportunités qui nous permettraient de résoudre tous nos problèmes et nos déséquilibres sociaux. Subi par de nombreuses classes sociales, justement, liées justement à ces crises. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, à mon sens, on doit essayer de trouver les leviers du changement. L'innovation, à mon sens, en est un, mais justement pour que ce levier reste une opportunité et non un risque ou une menace, il convient pour moi de devancer, justement, d'anticiper, d'en prendre conscience, de mieux former potentiellement justement, et de préparer les gens à optimiser leur organisation. Voilà. De prendre conscience en fait du déséquilibre qu'on connaît actuellement pour remettre en cause remettre en cause effectivement notre organisation et pour peut-être désapprendre de façon à comprendre de façon à réapprendre et à restructurer et à réorganiser. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement nos besoins ont changé. Tout simplement parce que les solutions et les produits pour répondre à nos besoins ont changé. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui changent, comme par exemple le marché C2C avec Airbnb et autres, Le Bon Coin et autres qui explosent. Donc on a une relation qu'on va dire de client à client, de particulier à particulier. Donc tout ça, ça change, ça change. Et l'innovation, justement, offre des possibilités pour rendre la vie du particulier, à mon sens, plus facile. Par exemple, si on prend Uber, avant, il était peut-être difficile de concevoir de prendre un taxi parce que c'était onéreux. Aujourd'hui, pour réaliser une course, vous pouvez appeler, vous pouvez demander à un particulier de venir vous chercher et forcément, le prix est très compétitif. Donc effectivement, maintenant, pour répondre aux besoins, il y a mille et une manières de le mettre en place. Pareil, s'il était parfois difficile en fait de rester à la pointe et de suivre la technologie parce que c'était très onéreux, aujourd'hui, on s'aperçoit que le marché de particulier à particulier explose et vous pouvez tout à fait non plus posséder le matériel mais tout à fait entrevoir de le louer. Donc ça permet à chacun en fait d'approcher les nouvelles technologies et l'innovation. Donc à mon sens, ça peut être une opportunité. Donc voilà pourquoi je pense que l'innovation pourrait offrir l'opportunité de rétablir justement ce que je peux appeler d'homéostasie sociale globale. Voilà.
et de ne pas laisser certaines classes sociales justement à la traîne et de se préoccuper de chacun. Voilà, je vous dis à bientôt. Je ne suis pas forcément très contente de ma présentation, mais voilà, je le fais en direct et avec le cœur. Le but, c'est de voilà, vous donner l'énergie d'avancer, l'énergie de repenser vos vies, l'énergie de vous responsabiliser, de prendre conscience du futur potentiel qui pourrait venir et de votre implication justement dans le fait de donner le sens que vous souhaitez collectivement à votre prochain futur. Voilà, pensons, voilà, satisfaction des besoins personnels, mais également, surtout, satisfaction des besoins collectifs et pensons nos générations futures. Je vous dis à bientôt, y est pas!